Alors Luma, ça va? Il va bien le peuple de l'humanité? Nous voulons nous aussi un monde d'égalité entre les êtres humains, généreux, solidaires, sans domination, sans sexisme, sans racisme, sans antisémitisme. C'est ce monde-là que nous voulons bâtir avec vous. Le respect, l'égalité, la fraternité, la liberté, c'est ce que nous voulons le plus pour la France. Les jours heureux, c'est ce que nous voulons toujours pour la France et nous la gagnerons avec vous. Nous voulons de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice écologique, parce que les citoyens, nos concitoyens, l'ont dit avec force lors des dernières élections. Ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent des bons salaires et des bonnes retraites, ils veulent de la sécurité sociale, ils veulent de la sécurité tout court, avec des services publics partout. Permettre à chacun d'être fier de son travail, de pouvoir en vivre, de s'y épanouir, de pouvoir se projeter, évoluer, partager sa passion de son métier avec ses enfants. Dans la France du travail que nous voulons bâtir, chacun trouvera sa place selon ses compétences, son expérience. C'est simple, nous voulons zéro chômeur en France. La gauche du travail, c'est celle qui met sur la table cet objectif, éradiquer le chômage, avec un SMIC à 2000 euros brut, avec un rattrapage de tous les salaires et en les indexant sur l'inflation. Nous voulons une France qui protège tous ses habitants et ne laisse aucun espace à la loi du plus fort, à la violence des mafias et des trafics. Ne les laissons pas nous diviser en fonction de notre couleur de peau. Nous sommes tous, toutes des enfants de la République. Nous appartenons tous à la même classe sociale qui est celle du monde du travail. Et c'est en étant unis que nous arriverons à nous faire entendre, à nous faire respecter et à gagner. C'est ça que nous voulons, l'union du peuple de France. On veut des gens honnêtes à la tête du pays, des gens sincères et justes pour gouverner la France. Et nous ferons tout, tout, pour que votre vote soit respecté. Chacun jugera, chacun fera son choix, mais nous, c'est résister. Vive la résistance, vive la démocratie, vive la liberté.